Bienvenue à la conférence de presse de Joe. Je vous prie d'accueillir immédiatement la productrice. This is a question for Nicholas. Do you see this as a comeback to more dramatic policy in Korea now, to do more of that stuff? And if you can reflect on your last decade, you have done a lot of action fueled films. Have you felt podcasts? Well, I don't know that I see it as a comeback, but I see it as a marvelous opportunity to work with a truly original voice in American cinema, which is David Gordon Green. But if you look carefully at my filmography, in between the adventure movies that I've made, you will find a World Trade Center tucked away, or a Bad Lieutenant, or a Lord of War. So I think I've always been trying to keep it eclectic. It's just, for some reason, the adventure films got a little more attention put on them. Je ne sais pas si je dirais comme vous qu'il s'agit pour moi d'un retour à un registre plus dramatique. Moi, je l'ai saisi en tout cas comme une opportunité de travailler avec une des grandes voix actuelles du cinéma américain incarnée par David Gordon Green. Mais si vous regardez de façon plus attentive ma filmographie, vous verrez que parmi les films d'aventure et d'action qui ont évidemment occupé mon activité pendant cette dernière décennie, il y a eu comme ça aussi des films phares tels que Bad Lieutenant ou World Trade Center qui ont fait que j'ai tenu à garder un certain éclectisme tout le long de ma carrière. D'autres questions, madame, au premier rang? For Nicolas Cage, what does it represent for you to be honored here in Deauville? Deauville is a place that I've always felt a tremendous warmth from. I came here many years ago with Andrew Bergman on Honeymoon in Vegas, and then I actually premiered my first film here that I directed with James Franco called Sunny. And for some reason, it really connected here in Deauville. So I have a nice connection with the place, and I'm deeply grateful and honored and thankful that you brought me back once again. Je me suis toujours sentie incroyablement accueillie, très chaleureusement accueillie ici à Deauville. Il se trouve que j'avais déjà accompagné un film ici, et puis j'avais eu la chance d'avoir ici la première mondiale de Sunny, le film que j'avais moi-même réalisé. Donc je me sens à la fois très à l'aise, très familier avec cet environnement-là, mais aussi très, très reconnaissant et très honoré de voir cet hommage cette année. Monsieur ? Mr. Cage, your character says in the film that he doesn't really know who he is. Could we have your take on who you think this man is? And one for Ty Sheridan. You seem to have track record now of playing the young, savvy guy in troubled families and violent fathers and renegade father figures. How do you handle these roles? Well, to me, Joe is whoever you want him to be, but I will say that I think there's a little bit of Joe in every man and every woman. I do see him as an enormously honest personality, but for me to go beyond that, I think would impinge on your own personal relationship with the movie. Donc d'abord la question de Nicolas qui est adressée à Nicolas Cage, ce personnage de Joe qui dit lui-même ne pas savoir qui il est, qu'est-ce que Nicolas pense de cet homme et comme qui le voit-il? La réponse est que, en fait, Joe est un homme qui est ce qu'on veut bien voir en lui, et qu'il y a un peu de Joe en chacun de nous, homme ou femme. Mais Nicolas dit, moi, je le vois comme un homme profondément sincère et honnête. Et il me semble que, finalement, la façon dont on étoffe le personnage à partir de cette base-là dépend du regard que nous, en tant que spectateurs, nous posons sur lui. Et Ty Sheridan, à propos de ses rôles d'enfant sous le joug de père abusif, est-ce qu'il a l'impression de continuer dans cette veine-là?
Yeah, could you ask it again? I forget the question. I'm sorry. Do you want to ask it? Yeah, the question was that you seem to have a track record now of playing this role of the young guy who manages very well in an environment of often violent and abusive families, and how do you handle those roles? Well, those roles are very different than who I am as a person. So it's cool to play someone you're not. I think that's one of the coolest things about acting. Yeah, I don't know why I'm drawn to those roles, or why that's seemed to happen. Ces garçons qui sont dans un environnement hostile mais qui s'en sortent bien, c'est très éloigné de ce que je suis dans la vie, mais c'est peut-être tout le plaisir du jeu d'acteur, c'est qu'on vous voit ce à quoi vous ne pensez pas vous-même forcément et que vous arrivez à incarner ça, mais je ne sais pas pourquoi on me les propose cette fois, monsieur. Alors bonjour vous tous. Donc j'ai une question pour Nicolas Cage. Alors vous avez une carrière absolument incroyable. Donc en fait je voulais savoir avec quel acteur ou réalisateur vous aimeriez encore tourner, parce que je pense qu'il y en a plein que vous avez envie et que vous n'avez pas encore fait. Donc voilà, je voulais savoir ça. Nicolas, as you said, you had a very eclectic and full range of different kinds of roles with different directors. Is there still one actor, actress or one director with whom you'd love to work? But most of my heroes are dead. I'm pretty happy with everyone I've had a chance to work with. I'm especially happy that I got to work with David. It's so rare in modern cinema to find a truly personal vision and a truly honest voice with a signature. And having seen Prince Avalanche earlier this year, and now with Joe, between some things on the more comedic side, some things on the more dramatic side, you have no doubt when you see the movies that this is the voice of David Gordon Green. It's an original voice. And so I just want to keep working with people who have a signature, who aren't afraid to bare their souls, who aren't afraid to stay true to the music within them, which is why I'm so thankful to be at Deauville with Joe. Je crains que la plupart de mes héros ne soient plus de ce monde. Je dois dire que je suis assez ravie d'avoir pu travailler avec les personnes qui étaient chères à mon cœur et qui m'ont proposé des rôles. Mais particulièrement, je peux dire aujourd'hui que je suis très fière et très heureuse d'avoir travaillé avec David en raison de cette veine très particulière qu'est la sienne. Je crois qu'il est assez rare dans le cinéma moderne de trouver un vrai auteur qui ait une patte que l'on reconnaisse. À travers tous ses films, si vous regardez Prince Avalanche qu'il a fait juste cette année, qui est comme ça dans un esprit plus léger, ou alors Joe qui est un film plus sombre et plus dramatique, peu importe le genre dans lequel il s'exerce, il a toujours cette vision authentique, cette patte personnelle, et finalement moi c'est ce que je recherche, un auteur qui soit capable de faire entendre sa petite musique intérieure quel que soit le film qu'il nous offre, et c'est pour ça que je suis très heureux d'accompagner ce film-là précisément à Deauville. Monsieur ? Justement, j'ai une question pour David Gordon Green par rapport à cette histoire. Justement, c'est ce besoin intérieur. Est-ce que c'est un besoin intérieur qui a fait que vous avez eu envie d'écrire cette histoire et puis de la réaliser? Parce que c'est un film qui est très intime, c'est intimiste, il y a la violence des sentiments qui est présente du début à la fin, et en même temps c'est un vrai parcours et l'histoire d'un pays et même peut-être d'un État aux États-Unis. Et en même temps je voudrais demander à Nicolas Cage si se mettre dans la peau d'un tel personnage demande une préparation plus importante, et est-ce qu'on a besoin d'aller chercher en soi les choses pour interpréter ce genre de personnage? So David, this is a film that has something very intimate and personal in it. Did you feel a personal urge to make such a film? Because there is this aspect of strength and violence in the emotions, but also something much more historical about the country or the state. So how did you get into this double identity of the film? And for you, Nicholas, did you feel that there was
a specific preparation for this kind of intimate character to embody. The film is based on a novel by Larry Brown, who was an author that when he was alive I was fortunate enough to meet and get to know and listen to his stories and be inspired by him as a person. So I had a personal connection with the material, with the novel, and with Larry. And it's a novel, a story of fathers and sons that I really responded to, the dynamic between a young boy and his birth father, and then the dynamic, the very fatherly dynamic between the young boy and Joe. So that really drew me to the role. It was regionally very authentic and very honest as a novel, and I wanted to try to recreate that in a film. I thought it would be a beautiful backdrop for very interesting character studies, and that's what drew me to it. In my own personal connection to relationships with people that I've known, people that are my neighbors, people that are within me, and that's what I wanted to explore with the movie. Comme vous le savez, ce film est une adaptation d'un roman de Larry Brown. Il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir cet homme assez tôt dans ma vie et de le fréquenter personnellement. Donc je me suis vraiment intéressée à son univers. Et dans ce roman-là, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la relation père-fils telle qu'elle est décrite. Et le père biologique de cet enfant, la dynamique dans laquelle il est engagé avec ce père et finalement cette relation extrêmement filiale aussi qu'il noue avec ce père d'élection, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. J'ai tenu à garder le même esprit qui était celui de Larry dans son roman, c'est-à-dire un esprit extrêmement sincère, extrêmement authentique et un décor qui est proche de celui que je connais, de mes voisins ou des personnes que je porte en moi. Mais ce décor nous permet finalement d'ancrer une étude de personnages qui, à mon sens, était très riche et très intéressante déjà dans le roman. Donc j'ai eu à cœur de rester dans le même esprit et de rester fidèle à ce qui, moi, m'avait touché dans ce roman. I just wanted to try to find a way to make the character of Joe come to life in the most truthful and honest presentation, which really meant trying not to act. Sometimes the word act seems like to imply a lie. Oh, you're acting, and I didn't want it to be like that. It wasn't about putting things on it. It was about taking things off of the performance so that I could be as naked as possible in terms of emotional expression, which meant recalling memories in my personal life over the last couple of years, being able to listen to those memories and those impressions and try to bring them back into the performance without overthinking it. And in order to do that, it was important for me to go to Austin, Texas and spend about a month before principal photography began so I could get comfortable with David and get into his rhythms and his approach and his style and work with Ty and then also meet all the members of the African American crew in Austin and get comfortable so that it seemed like we already had a relationship, so that by the time David called action, we were already on it, and there was a flow to the whole thing. On top of that, I had the book by Larry Brown, which whenever you have a chance to work from a novel, not that the movie is exactly like the book, it isn't, it's its own entity, but sometimes you find in novels little gems, little things that you can bring into the movie and give you a blueprint of sorts, so that was an enormous resource as well. And just things I could put into the character from my own life that made it seem more natural. Je pense que dès le départ, le choix que j'ai fait, c'est essayer d'être au plus près, de la façon la plus sincère et la plus impliquée qui soit dans le personnage tel qu'il m'était offert. J'ai essayé de ne pas jouer. Dans le terme de jeu, très souvent, on perçoit quelque chose qui est de l'ordre d'une fabrication, d'un artifice ou d'un mensonge. J'ai essayé dans ce sens-là de ne pas du tout jouer, non pas d'ajouter des choses au personnage tel que je le percevais, mais plutôt retirer tout ce qui pouvait être de sorte de type d'un voile, me dévoiler moi-même pour me mettre à nu à travers ce personnage-là. Et pour le faire, il a fallu que je me plonge dans mes propres souvenirs, que je sois suffisamment ouvert pour laisser ces souvenirs venir à moi, les entendre,
et aussi me mettre dans une sorte d'ouverture et de lâcher prise avec l'équipe. Aller à Austin un mois avant que le tournage commence, entrer en relation avec David pour apprendre à travailler sur ses propres rythmes, sur son propre univers, commencer aussi à entendre tous les souvenirs qui étaient ceux des membres afro-américains de l'équipe, pour qu'il y ait une sorte d'énergie qui se noue entre nous, qu'il y ait un courant qui soit lancé bien en amont du premier jour de tournage. Donc une fois que le film avait commencé, j'avais cette relation-là avec Ty, j'avais cette relation-là avec le réalisateur, avec l'équipe. Et puis c'est extrêmement précieux d'avoir un roman comme point d'appui, non pas que le film soit strictement le roman, le film et le scénario ont leur propre identité, mais le roman vous permet de temps en temps de trouver des petites perles qui viennent comme ça vous aider à enrichir votre jeu et à avoir des points de référence. Madame. Les deux personnages ont des relations quasi paternelles. Est-ce que c'était la même sensation sur le plateau? Est-ce qu'il y avait une relation paternelle entre eux? So as David said, there is really a father-son relationship between the two characters. Did you also feel this kind of relationship between you actors, David and Ty? Well, with Ty, who is an extraordinarily honest actor, and I don't see any acting when I see Ty's work. He's also extremely serious about the process and very professional. And I, whether other actors like me or not, I consider all actors my brothers and sisters, because I know what it means to get in front of a camera and bare your soul like that. And I know what it takes to be able to have the guts to do that. So I don't know that I felt fatherly towards him, but I felt certainly brotherly towards him, and that we were in the zone together. It was a very rewarding experience for me. I didn't feel like I had to act, because I could riff off of what Ty was doing. I feel the exact same way, brotherly. But you're just a really easy person to get along with and work with, you know, because you take your work really serious. You take it really seriously, and then, like you said, you were there a month before we even started doing rehearsal. I think before we even started shooting. And then, like, I get to set, and you're so prepared. I'm like, oh no, I gotta get ready. And you're a good person to learn from. Thanks, Tom. Donc, selon Nicolas, en fait, je perçois, dit-il, Ty comme un acteur extrêmement honnête, extrêmement pur dans son jeu. Il n'y a pas de jeu. Je n'ai jamais senti qu'il jouait. Et je dois dire que moi, je me sens dans une relation extrêmement fraternelle avec tous les acteurs et toutes les actrices, quoi que eux puissent penser de moi, parce que je sais ce que ça signifie que de mettre son âme à nu devant une caméra et de se lancer dans l'aventure qui est la nôtre à tous. Donc j'ai une idée de ce parcours-là et j'ai ressenti immédiatement cette fraternité-là. Donc je ne sais pas si on peut parler d'une relation paternelle, mais j'ai senti cette fraternité-là avec Ty. C'est ce qui m'a permis de m'adonner complètement à cette relation, à ne pas jouer, parce que je voyais bien que lui non plus ne jouait pas. Et la réponse de Ty, c'est qu'effectivement, la relation a été fraternelle. Tu es le grand frère qui m'a appris ce que j'ai eu à moi-même parcourir comme chemin personnel dans ce film-là, puisque tu es extrêmement professionnel. Donc j'ai appris moi-même à avoir une attitude professionnelle. Effectivement, tu étais là un mois avant qu'on commence à tourner. Moi, je te trouvais archi prêt et toi, tu me disais, non, il faut que je me prépare. Donc j'ai compris ce que c'était que de se préparer pour un rôle. Monsieur. Il y a une dizaine d'années, Nicolas Cage était ici pour un film qu'il allait réaliser, Sony, un film intéressant, qu'il laissait espérer qu'il y en aurait d'autres. Alors, y a-t-il des projets, des envies, des désirs de réalisation? Et cette expérience de réalisation a-t-elle changé votre manière d'envisager les tournages? Le rapport au jeu a-t-il été influencé par cette expérience? As you said, Nicholas, you were here 10 years ago with a film you directed that was very interesting, and after that we were hoping to see more films from you.
Do you have any desire of directing more films, and would you say that your relationship with your own craft as an actor changed after you had the experience of directing a film? Well, yes, absolutely. The opportunity to direct someone as gifted as James Franco and Brenda Bletton and Harry Dean Stanton, Mina Subari, Brenda Vaccaro, these are people at the top of their game in terms of film performance, and it just sort of reignited a passion for film performance in me, and I wanted to sort of soak up some of that energy. But yeah, I'm sorry I have not directed again, genuinely. I just haven't found anything that speaks to me in that way. I was living with that script because I almost played Sonny for about 10 years before I made the decision to direct it when I was too old to play the part. But if I find something again, I hope I can bring it back to DeVille as a director. Absolument, jouer avec de diriger de si grands acteurs forcément brasse en vous tout votre rapport à ce métier et vous fait voir les choses directement en tant qu'acteur. Je dois vous dire que ce scénario-là m'a vraiment habité pendant 10 ans. J'avais l'intention d'incarner moi-même le personnage et puis comme le temps a passé et que j'étais trop vieux pour le jouer, j'ai décidé de le mettre en scène. Donc il faut maintenant que je trouve une autre histoire qui me touche à ce point pour de nouveau me mettre derrière la caméra, ce que je regrette sincèrement de ne pas avoir refait depuis, mais j'espère bien revenir à Deauville avec un film que je réaliserai. Donc madame qui attendait depuis. Bonjour. Après justement une telle profondeur dans vos rôles, vous atteignez justement une sorte de paroxysme dans une sorte de violence, de rédemption. J'aimerais savoir si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous auriez envie d'arriver dans un mode de rôle plus léger, de séducteur, de lovers. Est-ce que vous avez envie de nous offrir ça, justement? Woody Allen a dit que qu'il n'avait jamais vu un regard tel que le vôtre. Et est-ce que vous avez envie, justement, de vous servir de ce regard, de ce pouvoir de séduction pour nous embarquer dans votre rôle? I'm wondering. So here you've reached some level of depth and something very dark and deep in character through Joe, but at the same time you have this unique look that Woody Allen has described as different from any other actor. So would you like to be now on a different kind of role of something more lighthearted and more of a seductive man? I don't think Woody Allen, to be perfectly honest, ever said that about my part. I think that was a journalist named Emma Brock for a story that they did on me in a British newspaper called The Guardian, where she said that, like Woody Allen's statement in this movie about a character, I have the most eyes of any person on any person ever. Woody didn't say that about me. I'm very happy with the way things are. I'm blessed to work with my favorite creative people in the industry, and I don't really think about it too much in terms of what's next. I just want to stay challenged and stay uncomfortable, keep learning something, keep pushing it, going within and without. So as long as I can make movies with people of the caliber of Ty and David, then I'm happy. Je crains que ce ne soit pas Woody Allen qui ait dit ça de moi. Je crois qu'il n'a jamais rien dit sur moi. C'est une journaliste du Guardian qui avait fait un portrait de moi, qui faisait un rapprochement. Elle jugeait que j'avais un regard qui méritait qu'elle cite ce que Woody Allen avait dit à propos d'un de ses personnages. Quoi qu'il en soit, je dois vous dire que moi je suis très heureux de ma carrière telle qu'elle s'est développée jusqu'à ce jour. Je n'ai aucun plan précis, j'essaie de ne pas en être trop conscient, j'essaie de ne pas décider du genre de film qui me viendra. Je suis très heureux des rôles qui m'ont été proposés et je pense que ce qui compte, c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de ne pas considérer que les choses sont acquises, d'être toujours un peu sur la brèche et d'accepter que le vent vous mène, que les propositions vous mènent là où les choses seront sans trop anticiper. Je suis en tout cas très heureux de pouvoir travailler avec des gens de la qualité de Ty et David. Bien sûr. A short one,
Mr. Cage, what did, as a lifelong Superman fan, what did you make of Man of Steel? I haven't seen it. This is a question to David, Nicholas, and Ty. There were lots of dogs in the film. How important were these to the film? And Nicholas mentioned going somewhere uncomfortable. Was this rather ferocious dog easy to work with, ever scary? Donc à propos de cette présence canine très importante dans le film, pourquoi, quelle importance ont les chiens? Et puisque Nicolas disait aime être dans, sur la brèche et dans l'inconfort, est-ce que ça a été très difficile de travailler avec ce chien? I think in the film, Joe's dog is kind of an extension of himself. I think it's a way that he can express himself. And I think it's a part of his family. So I think it's a very valuable character in the film. And the other dog is this asshole dog that, they were both very nice dogs. In fact, in order to make them more ferocious, we affected their voices because they were really sweet. And when it looks like they're fighting, they're actually playing. And then we found savage animal sounds to replace them and make it feel a little bit more gruesome because they were incredibly playful animals. Dog, I like that word, just dog, is interesting. Larry Brown, when he started to make it as a novelist, what he started to really spend his money on were dogs. He loved them deeply. He had a thing, a connection, to me, at least seemed like an obsession almost, with dogs. And I like dogs. I think they're divine. I have dogs at home, and I'm very comfortable with them, but I do remember David emailed me, are you okay working with this real badass looking, you know, American bulldog? And I said, well, yeah, absolutely. I'm looking forward to it. I'm happy to work with them. And anytime you get to have a interaction with animals on camera, some magical things happen. And one of the many things I enjoy about Joe, the movie, is I love having an opportunity to express my genuine affection for dogs through my relationship with Faith, the American Bulldog in the movie. Tout d'abord, la réponse de David, c'est que ce chien, le chien de Joe lui-même, est en fait une sorte de représentant de Joe. Il exprime ce que Joe lui-même n'est pas capable d'exprimer, donc c'est une sorte d'alter ego qui est extrêmement intéressant pour lui. Et puis il y a tout autre chien qui est censé être plus méchant, je dois vous dire qu'ils vous paraissent féroces, mais on a dû jouer, c'est en post-synchronisation qu'on leur a mis des voix qui les rendent plus méchants qu'ils n'étaient en réalité. Et quand ils ont l'air de se battre, en fait, ils sont en train de s'amuser tous les deux. Donc ça a été plutôt une partie de plaisir et ils étaient tous les deux plutôt de gentils toutous. Et Nicolas dit lui-même qu'il adore les chiens, jusque la résonance de leur nom en anglais et le... l'auteur dont le film est l'adaptation d'un roman, Larry Brown, lui-même avait une passion que Nicolas dit, je juge presque obsessionnelle pour les chiens. Aussitôt qu'il a commencé à bien gagner sa vie, il dépensait tout son argent en l'achat de chiens. Et donc vraiment, il vouait presque une passion à ces animaux. Et c'est très intéressant. Donc David appréhendait un peu, il m'appelait en disant, est-ce que ça ne t'embête pas de travailler avec cet horrible bulldog américain? Et je lui disais au contraire que moi-même, j'aime beaucoup les chiens, j'ai beaucoup de chiens, et je trouve toujours intéressant d'avoir à donner la réplique à un animal face à la caméra. Donc cette fois aussi, pour moi, ça a été un enjeu intéressant. Voilà, la demi-heure est